Bonjour à tous et bienvenue donc dans cette nouvelle séance de yoga. Comment améliorer votre souplesse? Mais avant de démarrer, nous avons une bonne nouvelle. Jenna. Eh oui, nous allons vous proposer à partir de début mai deux séances de cours collectifs à votre espace forme. Le lundi, ça sera Qigong et le jeudi, ça sera Pilates. Voilà. Les séances se feront en extérieur et pour tout renseignement, regardez sur le site de la ville. Eh bien, on va démarrer. On démarre. Grand écart aujourd'hui. Challenge grand écart. Voilà. Alors, n'oubliez pas, avant de démarrer les étirements, pensez à faire la salutation au soleil. Et on est parti. Vous allez vous placer sur votre tapis, les pieds joints. Très bien. Vous allez attraper votre bassin et vous allez basculer votre buste vers l'avant en poussant les fessiers vers l'arrière. Essayez de garder votre dos plat. Vous commencez à sentir l'arrière des cuisses, les mollets, ancrez bien les pieds sur le sol. Et au fur et à mesure de l'exercice, continuez bien entendu de respirer. N'oubliez pas, en yoga, on respire par le nez. Respiration abdominale, lente et profonde. Puis vous allez descendre un peu plus bas, attraper l'arrière de vos cuisses, de vos chevilles. Et là, ça sera. Et inspirez. Et expirez. Gonflez le ventre et rentrez le ventre. Relâchez la tête. Et tentez de rapprocher votre visage vers les cuisses. Encore deux respirations. Fléchissez vos jambes, déroulez le dos, vertèbre par vertèbre jusqu'en haut. Les jambes droite arrière, gardez vos pieds largeur de vos hanches, décollez légèrement le talon droit et même chose, inclinez votre buste vers l'avant en dos plat. Puis au fur et à mesure de l'exercice, hop, faites glisser vos mains le long de la cuisse, le long de la jambe. Et même chose, inspirez, expirez. On reste une trentaine de secondes sur chaque exercice. À chaque fois que vous soufflez, essayez d'aller plus loin sur la posture. Même si c'est quelques millimètres qu'on gagne, c'est toujours quelques millimètres. Toujours les fessiers vers l'arrière, tentez de garder le dos plat. Allez, fléchissez les deux jambes, placez les mains au sol et reculez, glissez la jambe droite sur l'arrière. Même chose, stabilisez cette posture. La jambe arrière tendue ou bien vous pouvez poser votre genou au sol. L'objectif est vraiment d'enfoncer le bassin. Allongez le dos, baissez vos épaules. Très bien. Puis reposez votre genou droit au sol. Et avec votre main droite, vous allez attraper votre pied droit. Voilà. Alors si c'est un petit peu loin, ça peut arriver, on peut prendre une petite serviette ou un torchon à la maison. Hop, vous attrapez votre pied et vous tirez sur celui-ci. Voilà, enfoncez toujours votre bassin dans le sol, inspirez, essoufflez.
relâchez cette jambe droite et repoussez-vous sur l'arrière. Alors l'idée c'est de garder le bassin toujours dans l'axe, de pousser les fessiers vers l'arrière, d'accord? Essayez de garder votre dos plat, jambe gauche tendue, les orteils vers le ciel. Et gardez toujours ce bassin qui pousse vers l'arrière. Cherchez l'autograndissement. Oxygénez. Deux respirations. Essayez d'aller toujours un peu plus loin. Et revenez. Très bien. Replacez les deux pieds joints. Hop. Et déroulez le dos. Vertèbre par vertèbre jusqu'en haut. Très bien. Il nous reste à faire l'autre côté. Tournez-vous. Ok, c'est parti. De l'autre côté, nous allons travailler avec la jambe gauche. Mais avant, nous allons reprendre l'exercice de la pince. Pieds joints, attrapez à nouveau votre bassin. Basculez vers l'avant, dos plat. L'idée, c'est vraiment d'avoir le dos plat. Donc, si vous avez un miroir à la maison, essayez de travailler cette posture, d'avoir les épaules basses, les épaules connectées, les omoplates resserrées et de bien pousser les fessiers vers l'arrière. Puis glissez vos mains et l'idée, voilà, c'est d'attraper, alors vous attrapez l'arrière de vos jambes, derrière les chevilles si vous pouvez, relâchez la tête. Toujours avec votre respiration. En pilates, intériorisez la respiration. Concentrez-vous sur celle-ci. Et allez toujours plus loin sur l'exercice. Fléchissez les jambes. Et déroulez le dos jusqu'en haut. Reculez jambe gauche arrière. Le talon gauche est relevé. Vos pieds sont largeur de vos hanches, pas les pieds l'un derrière l'autre. Et même chose, basculez votre buste vers l'avant. Même principe que sur l'exercice de la pince. Alors, les deux jambes sont bien tendues et vous voyez la hanche, là, essayez de la placer face au sol. Les hanches face au sol. Et on essaie de descendre toujours plus loin. On gagne toujours quelques petits millimètres. Placez les mains au sol et glissez la jambe gauche sur l'arrière. Comme tout à l'heure, vous pouvez poser le genou au sol. L'idée, c'est d'enfoncer le bassin vers le sol. N'égligez pas la posture. Repoussez sur vos bras. Les épaules sont basses. Le dos, on essaie de l'avoir plat. Travaillez toujours en autograndissement. Allez, nous faisons encore deux respirations. Oxygénez. Au
posez votre genou gauche au sol. Et comme tout à l'heure, petit challenge, attrapez le pied. Top, sans tomber. Voilà, vous devez sentir l'avant de votre cuisse gauche. Donc sur chaque exercice, on reste 30 secondes. Relâchez votre pied et reculez. Hop, sur l'arrière. Donc votre jambe droite est tendue. Attrapez votre pied droit. Sentez bien l'arrière de votre cuisse, l'arrière de votre jambe droite. Et votre bassin, poussez-le à nouveau vers l'arrière. Ne travaillez pas comme ça sur les postures. Je préfère que vous soyez plus redressé, d'accord, et que vous ayez une belle posture, un dos plat, que tout arrondi, hein, que le dos arrondi. Vous n'êtes pas obligé d'attraper le pied, vous pouvez rester ici. Hein. Si c'est OK ici, vous restez là. Très bien. Relâchez. Replacez les deux pieds joints. Et vous déroulez le dos, vertèbre par vertèbre, jusqu'en haut. Relâchez. Merci à vous d'avoir participé à ce yoga. J'espère vous voir bientôt. Merci Philippe. Merci Gina. À bientôt. Au revoir.